Alep est une ville sémite. Comme les juifs du temple, les chrétiens syriaques parlent l'araméen. Comme les disciples de Mahomet, leurs missions ont autrefois enflammé l'Afrique et l'Asie. Aujourd'hui, les Syriaques ne sont plus que quelques centaines de milliers. Eux aussi ont fui la terreur qui a accompagné la fin de l'Empire ottoman et ont trouvé refuge à Alep. C'est au bar de l'hôtel Baron, témoin de tant de nostalgie, que j'ai donné rendez-vous à Nouri Iskandar. Sans lui, le répertoire syriaque aurait peut-être sombré dans l'oubli. Musique biblique des temps anciens, musique des villages et des campagnes, des semailles et des moissons, des mariages et des funérailles. La musique syriaque était aussi de tradition orale. Avec chaque voix qui s'éteignait, une ode, un style, une école aussi disparaissait. Nouri a sauvé cet héritage, et avec lui le sens de sa postérité, qui ne cesse de résonner des rivages de l'Inde à ceux de l'Éthiopie. Oh!